Avant de commencer ce live, je voudrais remercier spécialement deux personnes, Docteur Nintendo, qui soutient énormément la chaîne, et T41, qui m'a offert ce jeu. Et salut à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Jack 2, hors la loi. Souvenez-vous, nous avons fait le premier épisode qui se nommait Jack and Daxter. Un jeu que j'avais beaucoup apprécié. Un jeu Naughty Dog. Je le répète, un jeu Naughty Dog. Donc, forcément, les créateurs de Crash Bandicoot, les créateurs de Jack and Daxter, les créateurs de Uncharted, les créateurs de The Last of Us, donc c'est pas rien. Et Naughty Dog, vous savez l'écrire maintenant. Salut Top Top, j'espère que tu vas bien. Salut Docteur Nintendo, comment ça va? Salut Walibi, j'espère que tu vas bien. Salut Kevin Lou, comment ça va? Eh bien, on fait quoi? On fait Jack 2. Alors, on va se remémoriser un tout petit peu ce qui s'est passé dans le premier épisode. Donc je vais taper résumé Jack and Daxter. Et on va lire ça ensemble. Premier épisode mettant en scène Jack et Daxter, deux cousins embarqués dans une drôle d'aventure dans laquelle le jeune Jack doit aider Daxter tomber dans un puits d'écho noir et retrouver sa forme humaine après la série des Crash Bandicoot
des Crash Bandicoot sur PS1, Naughty Dog signe son retour avec Jak and Daxter. Donc ça, c'était l'histoire du premier épisode. Et si je me souviens bien, à la fin du premier épisode, Daxter, finalement, décide de ne pas redevenir humain. Et dans la fin, la vraie fin qu'on n'a pas faite, dans la vraie fin, une fois que Jak and Daxter, le gnome et la fille ont récupéré toutes les orbes de précurseurs, ils ont créé un portail et ils sont partis dans une autre dimension. Et je pense que ça va être le début de ce Jak 2. Alors, il faut que je rajoute des points à Top Top. Je profite que le menu est en pause. Je vais lui rajouter immédiatement en direct. Je rappelle que Top Top a remporté le jeu secret, finalement, hein, puisque j'ai lâché des indices sur notre Discord. Et Top Top avait trouvé. Et Top Top, je sais pas comment elle a fait pour trouver avec deux indices comme ça, mais qu'on me dise plus que ce n'est plus possible. Donc, Monsieur Top Top de 4965 points, il passe à 7965 points. Et si on fait un petit top, je crois que j'ai fait le ménage de tous les bots. Donc, c'est bien ça. Le premier Docteur Nintendo, 90 000 points. Deuxième Chef Puma, 77 000. Big Matt, troisième avec 59 000. Anto, quatrième avec 15 300 points. Cinquième, Top Top avec 7 965 points. T41, sixième avec 7 620 points. Wham, septième avec 7 420 points. Yoshi est 28e avec 7 420 points. Joint the Four, 9e avec 3 940 points. Et Walibi, 10e avec 2 890 points. Bravo à vous, à tous ceux qui sont dans le top 10. La carte te parlait, Top Top. Est-ce que tu n'aurais pas fait un petit Google recherche d'images par hasard, Top Top? Parce que c'était très compliqué. Tu sais que quand j'ai découpé la carte de l'indice, Top Top, j'ai découpé soigneusement pour qu'on ne voit pas les lieux situés sur la carte. Parce qu'il y avait une île qui se nommait l'île des précurseurs. Et précurseurs, vous le savez que c'est le titre du premier épisode. Docteur Nintendo nous dit, c'est ultra simple à trouver, il y avait un morceau d'orbe précurseur sur le premier. Effectivement, le premier indice, c'était la moitié de l'orbe précurseur. Et en deuxième, c'était la carte. Qu'on me dise pas que c'est impossible à trouver. Et encore une fois, bravo Top Top pour la réussite de cet indice, la réussite de ce jeu mystère. Bravo à toi en tout cas. C'est fort. Pas du tout, la carte me parlait. J'aimais beaucoup Jak, même si je n'y ai jamais joué. Donc je me suis un petit peu renseigné sur ce deuxième épisode. Effectivement, il est beaucoup plus mature. Il est beaucoup mieux écrit. Maintenant, ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo. Par contre, on perd un petit peu en plateforme apparemment et on gagne un petit peu en jeu d'action, coup de poing et arme à feu. Donc, j'ai lancé le jeu pour savoir un peu comment c'était. J'y ai joué les 5 premières minutes. Je vous dirai à l'endroit où je me suis arrêté. Et écoutez, on va se lancer. Le dragon reste honnête, que ce soit sur au suivant ou sur les jeux que tu nous lances. Non, j'en doute pas, Top Top, j'en doute pas du tout. Alors, tu as vu, on a atteint les 8 millions pour le Z-Event. Et encore, il n'y a pas tous les t-shirts et c'est pas fini niveau donation. Je pense qu'on sera autour de 10 millions. C'est fort hein, ce qu'ils ont fait au Z-Event. Hein. C'est très très fort. Très 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 fort. Très 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 fort. J'avoue. Mais j'y jouais 5 minutes pour voir comment le jeu tournait.
Et j'étais quand même assez surpris sur certains trucs, je vais vous les expliquer. C'est parti, on se lance pour l'intro de ce jeu. Créer une sauvegarde, oui. J'ai mis 250 euros, je vais devoir rien acheter. C'est bien, docteur Nintendo. Il faut le faire, il faut aider, il faut aider. À chaque âge, ses épreuves. Dites-moi pour le Les son. pierres ont connu la brûlure de la flamme pour devenir indestructibles. Les plantes ont résisté au vent puissant pour nous donner la vie. J'ai beau être un très vieux sage, je n'ai connu qu'une seule grande épreuve. Mais l'homme qu'elle a révélé est un héros à jamais. C'est le grand jour aujourd'hui, Jack. J'espère que tu es prêt. Prêt à tout. Je crois que j'ai compris comment fonctionnait cette machine. Elle interagit avec ce grand anneau des précurseurs. J'espère seulement que nous n'avons rien cassé en la déplaçant. Hein? Tu parles? C'est nous qui avons fait tout le boulot! Hein? Daxer, ne touche à rien! Les précurseurs ont beau avoir disparu il y a longtemps, leurs objets peuvent toujours être dangereux! Ils peuvent aussi être très utiles, il faut juste savoir les utiliser. Mon petit doigt me dit que vous allez réussir à le faire marcher. Il a toujours un cibole, ce type! Intéressant, on dirait. Mais oui, il semble analyser des paramètres. Est-ce que tu confirmes Top Top pour monter le son? Donc là, il s'agissait de la fin secrète du premier épisode. Ils veulent sortir de là. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Est-ce qu'on est bon pour le son? Cycle d'injection d'écho noir terminé. Bio relevé nominou et inchangé. Rien. On m'a informé que celui-là risquait d'être différent. Il résiste étrangement bien à vos expériences, Baron Praxis. Hélas, je crains que le projet Dark Warrior n'ait échoué. Ah! Tu devrais au moins être mort avec toute l'écho noir que je t'ai injecté. Et maintenant, les attaques des Metal Heads sont de plus en plus fréquentes. Sans une nouvelle arme, mes hommes ne tiendront pas éternellement. Il n'est pas question que mon nom soit associé à une défaite face à ces viles créatures. Passons au plan final. Et finissons-en dès cette nuit avec cette chose. Comme vous voudrez. Je reviendrai plus tard. Troisième étage! Des chaînes, des ordures, des instruments de torture! Hey! Quelqu'un a vu un héros dans le coin? Waouh! Qu'est-ce qu'il t'en fait? Jack! C'est moi! Daxter! Tu me dis pas bonjour? J'ai rampé jusqu'ici et j'ai risqué ma queue! Littéralement! Pour te sauver! Ça fait 2 ans que je te recherche! Dis quelque chose! Juste un mot! Je vais tuer Praxis!
Pour le moment, il faut qu'on sorte d'ici. Je dois d'abord trouver comment ouvrir ces fichus verrous. Ah, ok, tu pouvais le faire. Du calme, Jack. C'est ton vieux copain Daxter. Viens. Daxter? Mais c'est quoi ce Vince? La vache! Faut surtout pas que je t'énerve, toi! Allez, mon grand, allez, l'affreux! Faut surtout pas que je t'énerve! En fait, je t'ai apporté des fringues, mets-les! Salut Anto! Oui, les animations étaient déjà très bonnes. Le doublage est excellent de ce que j'ai vu dans cette annonce. Donc j'ai fait un petit réglage pour que vous ayez l'image en plein écran. Parce que j'avais oublié que sur un jeu PS2, il fallait un petit peu agrandir l'écran. Et l'humour est toujours aussi présente. L'humour est toujours aussi présent de ce que je vois. Et je suis assez surpris de tout ceci, vous allez voir. Je vais vous l'expliquer. Voilà de quoi je suis surpris. Caméra qui tourne 360 degrés autour du personnage, là je vous apprends rien. Mais pour l'époque, avancer la caméra, je pense que c'est une première. Reculer la caméra, tourner autour, avancer la caméra, tourner autour. Bordel de merde, Naughty Dog avait 15 ans d'avance. Naughty Dog avait 15 ans d'avance, les gars. Parce que ça, on le voyait sur les Mario. Hein. Mario Sunshine l'avait. Mais à pas beaucoup d'écart. Hein. Tout est excellent dans ce jeu, il me dit, Docteur Nintendo. On va voir. Maintenant, apparemment, le jeu est beaucoup plus dark. On verra bien. Beaucoup plus mature. On verra bien. Et en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de retrouver surtout Daxter. Je vous le dis sincèrement, dans le premier épisode, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour Daxter qui fait extrêmement rire. Regardez déjà là sa position au-dessus de Jack. Elle est vraiment sympa. Il est posé tranquille, le mec. Ou plutôt l'écureuil. Je sais même pas ce que c'est comme bête. Je tiens à vous le dire, je ne sais pas. Jack qui a changé physiquement, petit bouc, cheveux longs, beaucoup plus baroudeur visuellement. Hein. Sachant qu'il y a un jeu Daxter sur PSP qui raconte ce qu'a fait justement Daxter pendant les 2 ans jusqu'à ce qu'il rejoigne Jack. Ah, je savais pas ça, Docteur Nintendo. C'est une beloutre, d'accord, merci beaucoup, c'est pour ça que t'as dit une beloutre au-dessus. Tu peux le monter un poil de beloutre, d'accord, je comprends mieux Top Top, je comprends mieux. Allez, c'est parti. Alors, on se lance déjà ici. Une orbe là-haut. Alors, c'est très simple. Des doubles sauts. Hop. Alors, c'est exactement le même gameplay. Maintenant, apparemment, c'est beaucoup moins plateforme. Hein. Donc, coup de poing, coup de pied. Coup de pied en l'air. Rien n'a changé là-dessus. Double saut, tu fais ça. Très bien. Hop. Tu t'allonges. Il saute plus haut quand tu t'accroupis et que tu sautes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau gameplay? Oui. Voilà. Tu peux rebondir au sol quand tu rappuies, quand tu ressautes directement après la charge. Vous voyez, là, c'est un saut normal. Là, je fais rien du tout. Voilà. Après la charge, vous avez vu le niveau que ça a. Le niveau en hauteur. Et là, je renchaîne par un saut. Vous voyez qu'il saute beaucoup plus haut. Les orbes ont une utilité... ont une autre utilité que dans le premier. Ok. Ça marche. Mais c'est surtout au niveau scénaristique. Donc, Jack, Daxter, la fille et le gnome sont partis dans une autre dimension. C'est ce que j'ai compris à la fin du premier épisode. Et on atterrit ici. Cache, on est arrivé dans une ville. On s'est fait arrêter par les flics. Et on est resté 2 ans en prison. Dis-moi que tu te souviens comment rouler. Donc pour rouler, c'est L1. Très bien pour faire la roulade. Donc le jeu tourne en 60 FPS. Il y a quelques baisses de framerate à certains moments. Mais sinon, le jeu globalement tourne très très bien. Pour l'atteindre.
d'accord, saute une première fois et recommence une fois en l'air. Ok, le double saut. Donc le double saut pour... Il y a beaucoup de caisses grenadières qui nous tendent les bras. Démolis celle-là. Le double saut plus la pirouette. Vous vous trouvez dans une zone surveillée. Le secteur est en état d'alerte. Qui permet de faire l'hélicoptère et se déplacer un peu plus loin. Si tu avant de sauter, tu iras plus haut. Il va falloir sauter haut pour atteindre ce rebord, Jack. Très bien. L1 plus croix permet de sauter plus haut. On mémorise. Jack, les gardes. À toi. Des gardes, voilà. Petit bémol. Ce que j'aime pas dans les jeux vidéo, c'est, regardez, quand je vais envoyer un coup de poing, on va voir le poing s'agrandir. Voilà, ça c'est ce que j'aime pas. Vous avez vu ? J'aime pas trop. Je vous dis la vérité, j'aime pas trop. Mais bon, faut faire avec. J'aime bien quand ça reste réaliste jusqu'au bout, même si on sait que c'est un peu cartoon au niveau des graphismes. Mais là, le coup de poing qui grossit, sachant qu'on sait que Jack n'a pas de pouvoir, on dirait qu'il a le pouvoir de Luffy dans One Piece. Je sais pas si vous connaissez One Piece, mais j'ai l'impression qu'il a ce pouvoir-là. Ok, allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon dimanche sous vos applaudissements. Oh putain, il fait tomber. Bon, au niveau des animations, ça tourne super bien. C'est incroyable. Ils avaient vraiment un temps d'avance. Comment ça s'appelle ? Les expressions du visage sont toujours aussi énormes. On y va. Alors, on va attendre que la plateforme revienne. Je suis en état d'arrestation, moi. Voilà, ça s'est orienté beaucoup plus baston apparemment. On verra bien avec le temps. Demain, je travaille pas, c'est férié, donc tant mieux. Ça fait plaisir ça, Top-Top. Ben, c'est l'esprit Crash Cartoon qui veut ça. Ben oui, oui, tout à fait, j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais je trouve que c'est un petit peu... Si jamais on n'avait pas eu ce petit point qui gonflait là, j'aurais apprécié. Tout en aimant la DA, hein. J'ai pas fait exprès et il y avait une orbe cachée. Hein. Et j'ai pas fait exprès. Hein. Bon, j'ai l'impression que le jeu a des ralentissements uniquement sur les cinématiques. Hein. J'ai cette impression là. Hein. Parce que sinon là, ça tourne plutôt nickel. Parfait. Ok, ça sent la mort. Là aussi, pareil, le double saut, il ne fonctionne pas si tu l'actives trop tard. Hein. Alors on verra aussi au niveau des bandes son. On esquive les balles, les gars. On est des ouf. Eh bien, ça, il n'y a pas besoin de me l'expliquer. Je peux casser les grilles en faisant... En faisant une attaque rodéo. Parfait. On va sortir de cette prison, les gars. Alors, tu me dis quoi, Docteur Nintendo ? Roulade plus croix. Tu fais un saut en longueur, n'oublie pas. On va tester ici, tiens. Effectivement. Bon, du coup, ils nous ont fait reculer. Hein. Et oui, le saut en longueur, effectivement. J'ai pas fait droit tout à l'heure, c'est pour ça. J'adore cette nouvelle armure. Ouais, elle est plus confortable à l'entrejambe. Parfait. Quel fichu. On dirait des Stormtroopers en rouge. Les Stormtroopers sont de retour, les gars. Ouh, petite glissade. Il n'y a pas d'issue. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans le coin ? De ce que j'ai lu sur le jeu, apparemment, il est extrêmement difficile. Il y aurait de quoi péter un câble. Et le testeur a proposé même de faire quelques pauses de temps en temps, parce que sinon, tu pètes un plomb.
Voilà jusqu'où j'ai été. J'ai vu que c'était la sortie. Et j'ai compris qu'on aurait droit peut-être à un petit monde ouvert quand même. Hein. Grâce à moi. Ça fait du bien de respirer à l'air libre, hein. On est libérés, les gars. Il y a des blagues de cul, si je me souviens bien aussi. Mais il a dit qu'il avait sauvé sa queue tout à l'heure, là. Il a risqué sa queue. Ça m'a fait rire. Oui, j'ai galéré dessus, je te préviens. Eh bien, on verra bien si le WAM va galérer. On verra bien. Mais apparemment, il y a du challenge, hein. Je serais capable d'abandonner, hein, je vous le dis. Oh, bonjour, étranger. Je m'appelle Cor. Puis-je vous aider ? Vous avez l'air normalement intelligent. Donnez-moi des renseignements. C'est la voix de Matt Damon, je crois. Ah, désolé. Il débute dans l'art de la communication. Eh bien, jeune tempétueux, vous êtes l'hôte de sa majesté, le baron Praxis, qui gouverne notre glorieuse Abriville. J'étais surtout un hôte dans la prison du baron. Dans une cellule ou dans la ville, les murs nous encerclent. Nous sommes tous ses prisonniers. À propos d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, je partirais si j'étais vous. Sous ordre de son éminence, le grand protecteur d'Abriville, le baron Praxis, toute personne dans cette section est soupçonnée d'avoir abrité des souterrains fugitifs. Rendez-vous et vous êtes mort. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez dire rendez-vous ou vous êtes mort ? Pas dans cette ville. Protégez-nous de ces gardes et je vous présenterai quelqu'un qui saura vous aider. Très bien. Ah oui, carrément. Ok, il s'énerve. Et comment ça se fait qu'il se transforme en bête C'était cool. Recommence. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc lui-même ne le sait pas. Je n'arrive pas à me contrôler. Très impressionnant. Ça va, Jack? C'était très courageux de votre part. Cet enfant est très important. Ce gosse? Il a l'air un peu crasseux. Vous êtes en zone surveillée, dégagez de là! Merci encore pour votre aide, mais je dois mettre ce garçon en sûreté. Hey! Bah et nous alors? Une faction de souterrains a déclaré la guerre au baron Praxis. Son leader, le Sphinx, pourrait avoir besoin de guerriers comme vous. Rendez-vous au ghetto, dans une impasse près du mur de la ville. Demandez Thorn, il vous aidera. Bouclez la zone! Donc attendez. C'est à cause de l'écho noir injecté. Ah! Comment ça, on lui a injecté de l'écho noir? La carte de la ville est affichée en bas à droite. Suivez les icônes de la carte pour accéder au point stratégique. Très bien, sympathique le truc, mais... Je vais faire quand même un petit réglage. Recommencer, quitter, mission, afficher la carte. Ah, on peut afficher la carte. Très bien. Ah oui! Attendez, respectable là, les gars. De ce que je comprends, petit monde ouvert. Quand on voit la carte là, ça sent le monde ouvert. Naughty Dog, il se foutait pas de la gueule quand même, hein. C'est dit au début du jeu qu'on lui a injecté de l'écho noir pour en faire un guerrier. Ah oui, lors des soldats. Oui, les soldats, effectivement, quand il est attaché. Oui, exact, Docteur Nintendo, c'est vrai. Je suis vraiment surpris là déjà. J'ai beaucoup de surprises. Hein. Là, le monde ouvert comme ça, là, pour un Jack and Dexter comparé au premier épisode, c'est quand même assez fou. Hein. Et encore, c'est la ville. Il y a d'autres zones. Ben oui, j'imagine bien. On va voir ça. Alors, ensuite, ce que je voulais faire, c'est faire un petit réglage quand même sur option de jeu. Donc, vibration, ben pourquoi pas, oui, on va mettre, oui. Les sous-titres, oui, langue français, très bien. Et je voulais régler le son. Option graphique, centrer l'écran, 4 tiers 16 neuvième, très bien. Voilà. Volume sonore. Donc je vais mettre un petit peu moins d'effets spéciaux et un petit peu moins de musique pour qu'on entende bien les paroles. Très bien. Je quitte. Est-ce que ça a sauvegardé? Ça a sauvegardé. Parfait. Ensuite, on a quoi? Charger une partie, sauvegarder une partie et les secrets.
On est bon. Mission. Consulte Thorn. Protéger Cor et l'enfant. Ça, c'est fait. Donc, on a les missions accomplies, les missions en cours. Très bien. Parfait. Non, non, j'avoue que là, déjà, il y a quelque chose. Hein. Un vrai jeu d'aventure, là. Hein. Sur un monde ouvert. Plutôt sympathique. Donc, on va se rendre au niveau de la map. En bas à droite, là où il y a le couteau. Donc, on peut récupérer. Tiens, la jouabilité, elle est pas mal, là. Donc, je peux aller en haut ou en bas. Changer de zone de circulation pour éviter les véhicules et les obstacles. Alors, par où on va passer ? C'est pas mal, la jouabilité, la physique, je suis quand même impressionné. C'était pas de la merde déjà quand on conduisait un véhicule de ce genre dans le premier opus. Mais là, clairement, ça a amélioré encore une fois. La physique est très bien faite. L'animation, ça rigole pas. Oh putain, je me suis tapé de plein fouet. Alors, on va aller voir Thorn. On va demander Thorn. Nous sommes à la recherche de Thorn. C'est Cor qui nous envoie. C'est vous, Thorn ? Il est peut-être muet. Tu l'étais bien, toi. Je me méfie des inconnus. Il paraît que vous voulez vous battre pour défendre la ville. Vous savez, choisir le mauvais camp, ça peut être dangereux. On veut voir le Sphinx. Rien que ça. Tu veux te rendre utile ? Avec ta marionnette, tu devrais aller faire du cirque. À moins que vous ne soyez moins minable que vous n'en avez l'air. Rapportez-moi le drapeau du baron qui flotte au sommet de la tour délabrée. Ensuite, on en reparlera. C'est pas mal, hein ? L'animation et tout, les dialogues. On sent que c'est beaucoup plus... C'est beaucoup moins enfantin, pardon. Le mec, il te sort un couteau de malade. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment... Je suis vraiment surpris, hein. Je suis vraiment surpris le gap technique et la maturité que ça a pris tout en gardant le côté humoristique de Daxter. Hein. Pour le moment, agréablement surpris. Je vois que les gardes sur la map ont des champs de vision et je vais devoir aller récupérer... Donc, un fanion, si je me trompe pas. Mission. Donc, oui, récupérer le drapeau dans la ville morte. Fais gaffe à pas exploser tes véhicules. Ah, ils peuvent péter en plus. D'accord. Tu verras, ce jeu, c'est pas pour rien que je voulais que tu le vois, que tu vois la suite. C'était prévu, hein. C'était prévu, Docteur Nintendo. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que déjà... Attendez, la roulade et le saut, oui c'est vrai, la roulade et le saut. On va prendre un véhicule. Et ça fait vraiment Stormtrooper, hein. Ça me fait halluciner. Hein. Et même quand il parle. Hein. Allons-y, ah oui d'accord. Oh mais la physique elle est énorme. Oh, mais la qualité de la physique. Franchement, ça me... Oh putain, ouais, il va péter le truc, il est en train de brûler déjà. Ah, il est déjà en train de brûler. Attention, description des suspects. Alors le sage, je sais pas ce qu'il est devenu là en 2 ans. À mon avis, ils sont tous dans cette ville. D'accord, je crois que je me suis fait griller. Est-ce que c'est ici que ça se passe ? C'est ici la ville morte. La porte s'ouvre. Normalement, les gardes ne te feront rien tant que tu ne sèmes pas le trouble. D'accord. Donc là, je quitte la ville.
c'est cool parce que... C'est vraiment grand, quoi. Oh, c'est vraiment grand. Graphiquement, il y a une amélioration, quand même, aussi. Regardez la physique. Oh, putain. Ah, ce jeu date de 2003. Il y avait les planches qui tombaient et tout, sans déconner. Par contre, j'ai plus de vie, là, déjà. Faut que je fasse attention, j'ai plus de vie. Alors, comment récupérer de la santé? Il va falloir faire attention, je crois. J'ai pas d'armes. Et là, tu es hors de la ville. Alors, sur la map, ça dit quoi, quand on est hors de la ville? Ah oui, d'accord. Il y a carrément une autre map. Et je dois aller sur le point vert qui clignote. Parfait. Par contre, on va mourir, les gars, là. Hein. On va mourir. De la vie. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Ah, oh, c'est bien fait. Non, mais j'hallucine. La poussière qui est tombée et tout. Oh, il disait, c'est moins un jeu de plateforme, mais j'ai pas l'impression. Oh putain, on est mort. Bon, par contre, où est-ce qu'on revient? On revient ici. Est-ce qu'on revient full life? Oui, on revient full life. Très bien. Parfait. Bon, allez. Pas de temps à perdre. Là, hop. On va pas s'attarder avec lui. Pas de ça à foutre. Parfait. Oh, c'est vraiment pas mal. Hein. Après, peut-être c'est la fluidité qui rend le jeu comme ça aussi. Qui rend le jeu aussi... aussi attirant visuellement. Ok. Du coup, là, il m'aurait filé de la vie, en fait. C'est dommage. Parfait. Ensuite, on va passer par là. Donc, je rappelle, ce jeu est sorti après, il y a presque 20 ans. Il est sorti en 2003. C'est vraiment sympa de le découvrir aujourd'hui. Oh putain, non! Oh, le troll! Ah, ça va, ils me mettent là, ils sont gentils. Alors là, je vais faire roulade. Voilà, comme ça, direct. Ils ont été gentils avec moi. Hein. Ils ont été gentils. Oh putain, d'accord. Oh putain! Ok, est-ce que je me dirige au bon endroit? Oui, il faut que je fasse le tour, certainement. Parfait. Dans ce jeu, on n'a plus les blagues de Daxter quand tu meurs. Ouais, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Car tu meurs plus souvent, Top-Toff. Putain, j'ai failli mourir. Ok. C'était bien fait aussi, là, les... Ah, ben j'ai pris le drapeau et là. Parfait. Même là, les effets de lumière, je sais pas si c'est la PlayStation 4 qui rend le jeu comme ça. Je sais pas si ça a été retravaillé. Pour ma part, c'est qu'un simple portage. Ah si, il y avait une petite pause quand même. Ils sont tombés. Ah ouais, carrément. Lui rebondit. C'est énorme. Ah ouais, non, ah, c'est pas mal. Oh, les effets de destruction sont super bien faits. Hein. Pour l'époque. Je vous donne une chance. Ben ça y est, il me donne une chance. Tu es bien brave, Thorn. Tu es bien brave. Par contre, il faut retourner où? Il faut retourner dans leur planque, c'est ça? Alors, c'était par où? C'était par ici. Ok.
Les orbes violettes qu'il donne là quand je les bute, ça sert à quoi? Putain. Il ne les a pas donnés. Parce qu'il est tombé dans l'eau. On devrait retourner à la ville, Jack. Ben oui, j'y retourne là à la ville. C'était par là, non? Ah, c'était pas par là. Je t'ai passé par où tout à l'heure? Donc là, ces orbes violettes, c'est quoi? C'était là. Donc c'est le premier Jack que j'ai fait et je pense que c'est pour ça que j'ai moins apprécié le premier. Les orbes violettes, c'est pour le transformer pendant un court laps de temps. D'accord. C'est de l'écho noir, tu verras plus tard. Retournons voir Thorn. Allez, c'est parti, messieurs. Vous rentrez dans la ville. Bouclez la zone. Non mais attends, ça vient de ma manette en fait, parce que ça me fait comme... Alors soit c'est la console, parce que là je vois que ça me fait comme... Que ça me fait comme Minecraft. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre mes mouvements et ce qui se passe à l'écran. Mais je pensais que ça venait de Minecraft. Non mais là, regardez-moi cette animation là. Oh, c'est énorme. Putain, pour 2003 les gars. Attention, je suis arrivé. Bon, si je fais pas de grabuge, normalement, ils me font rien. On verra plus tard c'est quoi ce point d'interrogation. Ah, je me suis fait cramer. J'ai fait du grabuge, ils sont pas contents. Je me fais tirer dessus, les gars. Laissez-moi tranquille, bordel. J'ai l'impression qu'il y a un cycle jour-nuit aussi. Hein. Les musiques sont plutôt cool aussi. Hein. Alors, on arrive dans leur QG. Regardez les effets de lumière sur ses cheveux. Ne pas faire le trouble, foncer sur un garde et l'envoyer à 3 km. Tu as percuté un garde de plein fouet, c'est normal. Excusez-moi, je l'ai même pas vu, le Stormtrooper. Wouh! C'est que ça donne soif de jouer les héros! Le baron a coupé l'eau dans le ghetto. Il est déterminé à sacrifier des innocents pour se débarrasser des souterrains. C'est tout lui, cette cruauté. Je l'ai bien vu quand je servais chez les Grenagardes. C'est pour ça que je suis parti. Vous avez servi chez les Grenagardes? Ça explique votre charmant sens de l'humour. Selon un de mes amis Grenagardes, la valve pour établir l'eau se trouve à l'extérieur de la ville, à la station de pompage. À l'extérieur de la ville? Et les murs de sécurité? Et les métalettes, alors! C'est la jungle là-dehors! Ça rugit, ça miaule à tout va! Trouvez le grand tuyau de drainage au mur nord. Il vous mènera en dehors de la ville, à la station de pompage. Trouvez la valve principale et ouvrez-la. Si vous vous en sortez vivant, le ghetto vous devra une fière chandelle. Sinon... On fera peut-être une minute de silence pour vous. Et pour lui, ce sera un sale quart d'heure. Ah, le doublage est excellent. Je suis vraiment surpris des animations, elles sont encore plus réussies. Et là, cet effet de brillance sur les cheveux, je suis quand même assez surpris, les gars. Je vous dis la vérité. Je suis assez surpris, c'est plutôt bien fait, putain, c'est incroyable. Je sais pas s'il y avait le même rendu ou si c'est l'HD qui fait ça. Mais je fais des éloges au jeu parce que vous savez les gars que je vais commencer à rager quand je vais perdre. Donc autant le complimenter tout de suite. Donc si j'ai bien compris, nous devons rétablir l'eau. Ah oui non mais le jeu est très propre, hein, ça se voit. Hein. Ça se voit. Hein.
Mais de toute façon, après, Naughty Dog a toujours fait des beaux jeux. Avec son temps, bien entendu, mais il a toujours fait des beaux jeux. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer... De ne pas défoncer de garde. Et c'est fou d'être dans un monde ouvert comme ça en 2003. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Je dirais que c'est par là plutôt. Est-ce que ça serait par là? On va essayer de pas faire de grabuge. Pas mal, bien esquivé. Activité suspecte dans ce secteur. Pas d'activité suspecte. Calmez-vous les Stormtroopers. On va essayer de passer par là. Je connais pas le chemin, mais bon. Peut-être par la droite maintenant. Attention, description des... Putain. Le vaisseau rouge, ça doit être un vaisseau de soldats, je pense. Putain, mais c'est grand, c'est un truc de fou. On recherche les suspects. Effectivement, on arrive dans une genre de station de pompage, là. Hein. Putain, mais c'est grand, c'est un truc de fou. Ici, l'entrée, peut-être ? Ouais, c'est ici. Juste, la moto est rapide mais explose très vite. Attention, donc quittez la ville. Prends plutôt des plus gros véhicules. D'accord, ok. Ce sont des habitants, WAM. C'est fou parce que j'ai toujours mis Jack and Dexter et Ratchet and Clank dans le même univers. Ça pourrait marcher, hein. Ils pourraient faire un crossover, hein. Un crossover Jack and Dexter. Et regardez le souci du détail quand même. Le filet d'eau qui coule du tuyau. Là, ça ne rigole pas, les gars. 2003, Naughty Dog, ils rigolaient pas avec les gens. Ils ont jamais rigolé. De toute façon, visuellement, ils ont jamais rigolé avec les joueurs. Ils se sont jamais foutus de leur gueule visuellement. Ça, si j'y joue en 2003, je me dis franchement, la claque. La claque. Je me souviens que après, les plus grosses claques que j'avais eues, une des plus grosses claques que j'avais eues, c'était MGS3 quand même. Mais MGS3, c'était 2005. Tiens, on va récupérer l'orbe là. Très bien, on est à 5 orbes déjà. Ça fait plaisir de retrouver un petit environnement tropical là avec des palmiers. C'est un environnement que j'avais beaucoup apprécié dans le premier Jack and Dexter. Et j'ai l'impression que quand même dans ce nouvel épisode, ça sera plus un environnement d'usine. Un environnement d'usine. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu de verdure. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché ici? Tiens, une petite orbe. Putain, c'était juste, hein. Oh, le saut de ouf pour récupérer l'orbe. Parfait. Je suis même pas tombé. Alors, on va regarder la map un petit peu. MGS3 en tout, eh oui. Grosse claque MGS3 graphiquement, hein. La forêt et tout, plutôt la jungle. La jungle sur PS5, énorme. Merde, je pourrais pas voir... De 23h à minuit, ou alors j'ai la chance avec le décalage horaire. Je pense que c'est mort, Docteur Nintendo. Alors, allons-y. On va continuer d'avancer. J'avais dit la map. Est-ce que je vais dans le bon sens? Je pense que oui. Ou alors, est-ce que je pouvais passer par la gauche? C'était peut-être plus court par la gauche, je crois. On va voir si c'était possible.
Non, je crois que c'était pas possible. À cause de justement de ce bloc là. Donc c'était bien ça. C'était bien ça. J'ai l'impression qu'il y a un cycle jour-nuit, les gars. Je pense, hein. Si je me trompe pas, cycle jour-nuit, énorme là aussi, hein. Putain, sans déconner. C'est compliqué parce que t'as pas de lock, hein. Putain, on va mourir. Non, ça va. De la santé, s'il vous plaît. Putain, ils en ont pas donné beaucoup, hein. Putain, ils disaient que le jeu n'était pas très plateforme, mais j'ai l'impression que si, hein. Ouais, peut-être deux coups, trois coups, deux coups. Deux coups pour le buter. Donc là, il va falloir faire attention à l'arc électrique. On va récupérer la santé. Tu te fais toucher assez facilement, j'ai l'impression. Tu te fais toucher assez facilement. Et l'ambiance sonore est là aussi, hein. Les musiques. Le cycle jour-nuit était déjà dans le premier. Mais je m'en souviens plus. Allons-y. Alors, par la gauche ou par la droite? J'irai par la droite. Quand on a un, il faut continuer derrière, en fait. Et c'est fou parce que tu te fais toucher assez facilement, hein. Tu te fais toucher assez facilement. Parfait, c'est passé. Ouais, c'est qu'il y a une espèce de... Voilà, un coup de poing, tu avances de 3 mètres. Le problème, c'est que tu ne peux plus changer ta direction une fois que tu as donné le coup de poing. Donc dès que tu as un autre ennemi qui... Un autre ennemi qui t'attaque, t'es foutu. Ouais, le jeu ne pardonne pas l'erreur, c'est ce que j'ai vu. Ok. Parfait. Parfait. Ah, effectivement, j'ai le visage qui a changé en bas à gauche, là. Ça veut dire que je peux déclencher la spéciale, je pense. Je me fais toucher, hein. Je me fais toucher, hein. Et les slots, on gagne pas comme ça, Top Top, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais on gagne pas comme ça au slot, hein. Putain, j'ai failli tomber, hein. Oh putain, je les ai pas vus. Parfait, on est pas mal. Est-ce que je suis sur le bon chemin là? Voyons voir ça. Oui, c'est tout droit. Parfait. On est bon, on est bon. Eh oui, là, le slot, je sais pas pourquoi. Hein. Est-ce que l'algorithme est différent? Parce que l'algorithme est différent entre Twitch et YouTube. Ah, c'est ici, la valve. Il se prend des coups à la tête à chaque fois. Jack, au secours. À chaque virage, il se cognait, Jack, en fait. C'était bien fait, hein. Au secours.
Je dis rien, ne risque surtout pas. C'est toi qui ouvre la valve. C'est toi qui ouvre la prochaine fois. Mais c'est lui qui a ouvert en plus. Je peux regarder avec la 4G, ça lag à mort, mais je peux regarder. Mais regarde en 480p, Docteur Nintendo. Tu peux régler la résolution. Hein. Je me casse assez la tête pour qu'elle soit active. Donc n'hésite pas à baisser la résolution, ça change rien. Bon, la vanne est ouverte, je pense que Thorn va être content. Je suis en 160p, c'est bien comme ça. D'accord, t'es en 160p. Alors il faut que je trouve un véhicule là, hein, parce qu'on va pas tout traverser comme un mongol. Ah, ici il y a un véhicule. Comment je peux faire pour le prendre? Ah, je pouvais nager en fait. Go, c'est parti, on se casse. Alors on va faire attention de pas... Ah oui, là ça y est, il fait jour. Ah ouais, non, franchement, rien à voir. Mais il y a eu un gap d'amélioration entre le premier et le deuxième, incroyable. Oh putain, elle va péter. Oh putain, elle va péter, les gars. De coup, elle est morte, la moto, sans déconner. On va en prendre une autre. Patrouille du secteur 9. C'est pas celle-là que je veux. C'est celle-là. Oh, regardez-moi cet effet. Vous avez vu? Elle penche en avant. Attention, je suis au grain. Elle penchait en avant. Non mais là, la physique, j'hallucine. Ah, mais je t'ai dit, le cycle était déjà présent dans le premier, donc c'est rien de neuf. Non, mais... quand même surpris, après, en monde ouvert et tout, peut-être qu'ils étaient limités à le faire, hein. Passe au secteur suivant. Bon. À tous les citoyens de cette grande ville, un monstre se cache parmi nous, déguisé en homme. Un monstre déguisé en homme, il parle de moi, là, hein. Je vois que l'eau, point de détail, les gars, regardez. L'eau est arrivée dans la ville parce qu'on l'a débloquée et on voit maintenant qu'il y a des fuites dans les tuyauteries. Et l'eau est bien faite, putain, c'est un truc de fou, hein. Putain, j'hallucine. Attends, je rêve ou... Non, ça va. J'ai cru qu'il y avait des éclaboussures sur les carrosseries des véhicules. Putain, je crée des embouteillages, regardez. Ils font des... Oh putain, qu'est-ce qu'il me veut, le Starship Trooper, là? Allez, cassez-vous de là, j'ai du boulot. Attendez, ici, maintenant, il n'y a plus de points d'interrogation. Certainement des genres de niveaux bonus ou des défis. Sache que tu peux voler les véhicules des Stormtroopers. Oui, j'avais compris. Je pense qu'on peut prendre tous les véhicules. On va essayer de passer par là. Oh putain, on va tourner. Les véhicules rouges, ouais, c'est tous les véhicules, c'est les véhicules des Stormtroopers. Hein. Alors, est-ce qu'il sera content? L'eau coule à nouveau dans le ghetto. J'aimerais bien voir les têtes tomber quand le baron va la prendre. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ce trou à rats l'empêche de dormir en paix. On a fait ce que vous nous avez demandé. Alors quand va-t-on voir le Sphinx? Quand je le dirai, si je m'y décide. Mais avant, vous allez vous occuper d'un dépôt de munitions qu'on a repéré à la forteresse. Plein de soldats grenagardes, des patrouilles partout. Le dépôt est mal protégé et les souterrains comptent sur vous pour faire exploser toutes les munitions que vous trouverez. Si vous réussissez, on aura nuit aux forces du baron. Mais il est pixelisé, là, Daxter. Comment ça se fait, c'est pixelisé comme ça, là? Tant mieux. Je veux que le baron sache que c'est moi qui l'attaque. Parce qu'il n'y a plus d'effet de flou, je pense.
Je pense que ça vient de là. Donc à certains moments, les personnages, quand ils sont pas dans l'axe, ils sont pixelisés. Parce que l'effet de flou a disparu avec la HD. Putain, non mais là, ça m'intrigue, la voix de Jack. Est-ce que la voix de Jack, c'était la même? Est-ce que la voix de Jack, c'était la même dans le premier épisode? Et je vais taper la VF. VF Jack 2. Parce que là, je suis sûr que... Je suis sûr que c'est la voix de Matt Damon. Jack, c'est Damien Boisseau. Et Damien Boisseau, qui double ? Voix française de Matt Damon, c'est ça, j'avais raison. C'est la voix française régulière de Matt Damon, Edward Norton, James Marsden, Casper Van Dien, ainsi que d'autres. Ainsi qu'entre autres la voix récurrente de Patrick Dempsey, Josh Arnett, Wes Bentley, Kenny Johnson, Lee Pace ou encore Nicolas Coster. Il a aussi été la première voix régulière de Bradley Cooper à ses débuts. Quand même, c'est la voix de... C'est quand même la voix de Matt Damon, les gars. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien du tout. C'est vraiment pas rien. Nouvelle mission. Bon, le gamble top, on gagne toujours autant, par contre. Ça va, ça passe, le gamble. Alors, où je dois aller? Parce que sur la map, j'ai l'impression d'avoir deux items. Alors, il y a l'item vert et l'item... Alors, je sais pas c'est lequel. C'est l'item marron ou l'item rouge? L'item rouge ou l'item marron-jaune, là? J'ai un doute. Et la mission, c'est quoi? La mission... Rends visite à l'oracle et fais sauter la forteresse. Alors oui, d'accord. Ouh, double bébé. Double bébé. Double bébé. Le bébé, on l'a jamais eu. Hein. On sait que le mec qui rigole, c'est x3 ou x4. x4, le mec qui rigole. Les ailes, x2. On va aller d'abord voir l'oracle. On va aller voir l'oracle d'abord. Attention, je suis à pied. Oh putain, je... Arrête le véhicule. Oh, calmez-vous les gars, je suis là en paix. Oh putain. Oh putain! Oh putain! Explosé! C'est au même endroit que tout à l'heure, je crois, non? Limite, t'es dans un GTA, hein, tu voles les véhicules et tout. Oh putain de merde! Limite, t'es dans un GTA, quoi. Ah, sans déconner. Tu peux tuer les véhicules des gens, sans déconner. Oh putain. Oh putain. On va monter. L'oracle, c'est où l'oracle? C'est ici. C'est ici l'oracle. Ah, je perds des dés. Je perds de la vie. Je perds de la vie quand le truc qui... la moto elle explose. Ah oui, mais je me souviens de cette statue. Bienvenue, grand guerrier. Je sens une grande colère gronder en vous. Et avec le temps, la folie pourrait bien vous emporter. Seule la dernière énergie des précurseurs peut vous sauver. Éliminez mes ennemis, ces créatures que vous appelez Metalheads.
Rapportez-moi 25 de leurs gemmes crâniennes et je vous apprendrai à maîtriser ces énergies. Alors ça, c'est... Ça, on connaissait déjà lors du premier épisode, mais je crois qu'il fallait ramener des orbes. Donc j'en ai pas assez là, il m'en faut 25. Et comment j'ai récupéré ce truc là déjà ? Aller où? Regardez, on va regarder les Stormtroopers de près. On passe au secteur suivant. Vraiment des Stormtroopers, hein, sans déconner. Ils ont les masques et tout, hein. Attention, ouais, c'est GTA, tu voles les véhicules et tout, c'est un truc de fou. Tu récupères ça en tuant des Metalheads. Alors oui, les Metalheads, ils étaient... on peut retourner à l'endroit où on était tout à l'heure ? Bien reçu. On poursuit les recherches. Est-ce qu'on peut y retourner ? C'était par là, non ? Attendez, on va longer les murs. On va retrouver la sortie de la ville. C'était là, non ? C'était là, la sortie de la ville. J'ai failli tomber, hein. Oui, on peut y retourner. Donc il m'a dit 25, c'est ça ? Vous quittez la ville. Il m'a dit 25. Oh, Wham commence à s'éparpiller. Mais je fais les deux missions. Ah oui ! J'ai compris pourquoi tu dis que je m'éparpille. Parce que maintenant que j'ai parlé à l'oracle, on s'en tape en fait. C'est ça ? Mission ? Eh oui, maintenant c'est faire sauter la... D'accord, ça je peux le faire plus tard. Je peux le faire plus tard, tu as raison. Merci beaucoup, Dr. Nintendo, en tout cas, de me rediriger. Merci beaucoup. Comment je fais pour me transformer en bête... En bête bestiale, j'allais dire. Oui, oui, on peut aller faire sauter la forteresse maintenant. Non mais je respecte totalement le... Je respecte totalement le studio de Naughty Dog, hein, quand je vois ce qu'ils ont fait dans le passé. Alors je répète que je suis en totale découverte là. Hein. C'est vraiment les Jak and Dexter, c'est les seuls jeux Naughty Dog que je n'ai pas fait. Et je regrette sincèrement, après avoir fait le premier Jak and Dexter, je regrette clairement. Les Metalheads, tu peux récupérer qu'une seule fois leur gemme. Ah ouais, bah d'accord, bah raison de plus de ne pas retourner à l'endroit où on était. Bon, bah on va aller faire sauter la forteresse. Et c'est avec R2 que tu peux te transformer, d'accord. Merci beaucoup. Direction la forteresse. On va y aller tranquille. J'ai pas envie d'abîmer la mobilette. Juste quand je dis ça, je l'ai éclaté. On va changer pour prendre ça plutôt. GTA, les gars. Effectivement, les voitures, c'est plus costaud. Ça doit aller plus vite, je pense, peut-être. Non, ça ne va pas plus vite. C'est pas plus vite, mais effectivement, tu peux taper un peu plus. On se croirait dans Retour vers le futur. La DeLorean est là. Il y a des passages qui sont gravés dans ma mémoire, je te préviens. Toi, plus que moi, je pense, Doc. On va être deux à t'aider pour ce jeu. Je crois pas que Top Top l'ait fait, hein, de ce que j'ai compris. Je ne crois pas que Top Top l'ait fait. Hein. Demain la rediff, Top Top. Hein. Demain la rediff de haut suivant.
Donc du coup, tu pourras la récupérer dès qu'elle est en ligne. Et tu peux l'upload quand tu veux. Pas de problème, il n'y a pas de délai de temps. Alors, est-ce que c'est par là ? Une route, là où on va, on n'a pas besoin de route. Mais tu sais, tu dis ça, Top-Toff, mais c'était une de mes punchlines préférées, hein. C'était vraiment une de mes punchlines préférées du Doc. Mais Doc, la route est trop courte pour atteindre les 88 miles à l'heure. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Allez, c'est parti, la forteresse. Qu'est-ce que c'est que ce tank là ? Qu'est-ce que c'est que ce tank là ? Il me fait peur un peu ce tank, les gars. Il a pas fait, mais il en connaît quand même un peu le contenu. Alors attendez. Oui, effectivement, il ne les a pas fait, il confirme. Ah, ce tank ! Oh putain. C'est en train de me faire flipper. Là, la manette, elle fait que vibrer dans tous les sens. Là, je sais pas ce qui se passe. On va aller à gauche. Je sais pas si je suis full vie. Utilisation non autorisée de la porte de la forteresse. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain. Je peux rien lui faire. Faut qu'on se casse. Ok, on va se casser. Oh putain, d'accord. C'est comme ça qu'on va faire. Oh putain, il m'a défoncé. Oh putain, la jouable. Oh putain, le visuel, là, déjà. Oh putain, il peut me suivre. Oh putain. Oh putain. Oh putain, les gars. Oh putain. Je me suis fait rouler dessus. Ok, bon, on a compris. Première galère du jeu, effectivement. Utilisation non autorisée de la porte de la forteresse. Activation du tank de sécurité. Oh putain, j'ai failli tomber. Mais d'où il m'a touché là ? Ok. Oh putain ! Ça a pas l'air d'être fini en plus. Oh putain. Ah mais j'hallucine sur les destructions. Bon, on va récupérer de la santé. Parfait. Oh putain, je me fais toucher. Va falloir qu'on se dépêche. Oh putain. On va aller récupérer de la santé là-bas aussi. Tant qu'à faire. C'est pas que de la santé, hein. Moi ces tubes là au milieu. Ah oui, d'accord, je peux les péter. Ok. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut que j'y retourne. Oh putain. Un peu chaud. On va y aller tout seul, là. On va y aller tout seul. Bon, bah on s'est plutôt bien débrouillé, non ? Vous n'avez rien vu ? Nah. Ouvrez. On s'est plutôt bien débrouillé. Oh putain, je viens de recevoir une alerte radio. Oh putain, sans déconner. Alors, je résiste à un tank et je tombe dans un trou foireux. Alors attention, y a pas un truc caché ici ? Non. Non. Pas de truc caché.
On va y retourner. Tranquillement. Oh les enfoirés. Oh les enfoirés. Oh les enfoirés. Ne vous repliez pas. On est bon ou pas? Ok, on va récupérer ça. Il y a de la santé. Comment faire là? Ah oui, j'arrive de là-bas. T'as la musique stressante. Hein. C'est bon. Ah oui, les pics à la Mario. Salut T-Rex. Oh, ça fait plaisir T-Rex. Oh, il a fait la bascule sur Twitch. Comment ça va Zelda Chou? Bienvenue à toi. Est-ce que tu connais ce jeu? Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu connais le studio Naughty Dogs? Alors je sais pas si tu as vu T-Rex, on a fait l'acquisition de Ocarina of Time et Majora's Mask. Donc on les fera en live. J'espère que ça te plaît. Pense à follow la chaîne si c'est pas déjà fait, T-Rex. Bon, on y va. Parfait. Parfait, ce passage est parfait. Ok. Plutôt pas mal. Là, on est ici. Ah, il a déjà follow. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Zelda Chou. Alors, attention. Là, ça risque de se corser. On y va. On y va. Parfait. Est-ce que c'est par là? Je suis assez surpris que le testeur... Alors, où j'en étais dans mon argumentation de début de jeu? J'avais dit que le testeur avait dit qu'on pouvait avoir des séquences assez difficiles et qu'il fallait faire des pauses parce que c'était assez contraignant. Je tiens à ajouter que ce testeur a mis 13,5 à la note de ce jeu. Et la note moyenne des lecteurs est de 17,5 ou 18. Et la plupart des commentaires sur l'avis des lecteurs, ils disent tous « on n'est pas d'accord avec le vidéotesteur ». Et on verra bien, on se forgera notre propre avis durant tout ce let's play. Oui, 13,5, jeuxvideo.com, Dr Nintendo, tu peux aller voir si tu veux. Et tu peux aller sur l'avis des lecteurs qui, eux, sont plutôt à 17,5, 18. Ok, allons-y. Est-ce que la porte va s'ouvrir? Oui. Oh putain, le retour du tank. Oh là. J'ai failli insulter. Cool! Un essai passé! Ça nous servira au poste de contrôle. Hum? Chut. Oh, ça fait des pompes. C'est eux les Metal Head. Le baron vous demande de la prendre et de déguerpir. Des Metalheads en ville? Pourquoi les gardes leur donnent-ils de l'écho? Oh putain, c'est reparti les gars. Laissez passer rouge acquis. Attendez. Ah oui, le laissez passer rouge, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je peux ouvrir la porte? Non, il faut que je détruise 4 tourelles, je pense. Et où sont ces tourelles? Attention, système de refroidissement des missiles endommagé. Ah oui, c'est le bulldozer. Je crois que c'est alerte. Le... Défaillance du système de refroidissement de secours. Passage en commande manuelle. Est-ce que c'est le bulldozer qui les détruit par hasard?
C'est une sorte de boss, hein. Surcharge critique. Bah ça y est, les quatre. D'un coup. Danger, détonation d'ogive imminente, évacuation immédiate. Putain, vite, faut que je me casse. 5 secondes. 3 secondes. J'étais devant la porte. Oh putain. J'étais devant la porte. Alors, on va faire ça. Voilà, l'émission et le missile qui est en train de pouvoir détruire. Attention, système de refroidissement des missiles endommagé. 3, alerte. 2... Défaillance du système de refroidissement de secours. Passage en commande manuelle. Allez, tire-moi dessus, là. Ah oui, c'était chaud pour s'échapper, là. Allez. Oui, très bien. Encore une. Parfait. Vite, on se casse. Putain, juste je me fais toucher. Oh là là, ça s'est joué à... Putain, le ralenti Michael Bay. La tête de Daxter, elle est énorme. J'ai eu ma dose de sensations fortes. Il est temps de rentrer au pays. J'ai eu ma dose de sensations fortes. Moi, je trouve qu'on s'est bien débrouillé, Docteur Nintendo, tout de même. Ça va? Ce jeu vaut bien plus. Encore un rageux qui arrive pas. Les jeux quelque peu difficiles. La tête du gars est géniale, nous dit Tyrex. Tu es la première personne que je vois mourir ici. C'est parce que je suis spécial, Docteur Nintendo. Tu parles de moi, Docteur Nintendo? Non, non, je crois qu'il parlait de moi, T-Rex, hein. Patrouille du secteur. Bon, allons-y. J'aime beaucoup ce thème-là. Bon, on va attendre qu'il y ait un véhicule qui passe. On va prendre une voiture. Docteur Nintendo nous conseille des voitures. On prend des voitures. C'est beaucoup mieux, effectivement. Hein. Attention, je suis à pied. Au moins pour les dégâts. Oh, putain de merde. Passe au secteur suivant. Oh là là, je l'ai éclaté. La physique des personnages est super bien faite. Franchement, c'est énorme. La physique là, quand tu leur rentres dedans, regardez. Il y avait du boulot. C'est par là. Parce que je fais un peu nimp là. Regardez. Je peux leur rouler dessus et tout. Activité suspecte dans ce secteur. Alors, allons-y. Oh putain, je l'ai touché. Bon, heureusement qu'on était arrivé. Par contre, il n'y a pas beaucoup de rayons de braquage. Bon, il va être content, je réussis toutes les missions là. Le Thorn. Meurtrier, meurtrier. La meilleure, c'est la monoplace large. Je prends note, Docteur Nintendo. Oh, ce thème. Il est énorme, ce thème. T-Rex, tu m'aurais vu sur ce jeu quand j'avais 10 ans. Je faisais déjà des génocides de grenagardes et d'habitants même. Comme nous, on faisait sur GTA, en fait, Docteur Nintendo. Le duo ravageur est de retour. Et un dépôt de munitions passé au grill, hein. On a vu quelque chose de bizarre quand on a mis le feu. Les gardes du baron donnaient des tonneaux d'écho à des metalheads. Ah bon? Le Sphinx sera très intéressé par cette nouvelle. Jusque-là, vos missions sont plus faciles que d'aller voler de l'herbe à un yako en pleine sieste. Toi et le rongeur, vous voulez faire vos preuves? L'un de nos fournisseurs attend sa cargaison de minerais d'écho.
Prenez le zoomer, garez-la dehors et rendez-vous au saloon, au paradis du Hip-Hop dans le quartier sud. Demandez Crew, il y sera. Et ne laissez pas les patrouilles du baron vous arrêter. Pendant que vous y êtes, profitez-en pour faire parler Crew. Il a beaucoup de relations et c'est peut-être ce que mijote le baron. Vous pouvez compter sur nous. Vous êtes encore là. Vous êtes encore là. Vous pouvez compter sur nous, le mec nous dit vous êtes encore là. Faut aller parler à Crew. Les gars, il y a un problème là. Est-ce que... C'est hyper pixelisé. Hein. C'est hyper pixelisé à des moments, hein, les personnages là. Bon, faut faire attention. On a le paquet derrière nous. Faut pas faire de dégâts là. On va y aller doucement, hein, je vous le dis. Je veux faire du first try là. Hein. On va faire attention. C'est par où que je dois passer là? Au plus court. Alors je dois me rendre où exactement? Ah ouais, d'accord. Donc le mieux c'est de prendre à gauche là. Ouais, faut que je prenne à gauche tout de suite. Ensuite à droite. À la deuxième intersection. Ok. Bon, je regarderai la map à nouveau. Donc là, c'est à gauche tout de suite. C'est donc ici. Oh putain. Attendez, c'est quoi? C'est chronométré ou quoi? Non, ça, c'est l'itinéraire en fait. Donc là, à droite. Ici, à gauche. Oh putain! C'est un barrage quand les gardes, sors de là! Mais c'est pas possible! Le suspect est à bord de véhicule. Je suis passé! J'ai le chargement, oui! Ok, première, deuxième à gauche là! Oh putain! Par où? Par ici! Oh c'est une galère! Oh le barrage, il m'a fait du mal le barrage. Oh putain, je vais mourir. Ils sont montés à un barrage, attention. Encore un barrage, on va passer dessous normal. On s'en est bien sorti. Les fous du... Oh putain, on est mort. Wham, je te laisserai pas mon Uber Hit. Pourquoi? Oh, le Hip-Dog et Crew. Tu verras, Wham, c'est un endroit très cool. Mais j'ai hâte de le découvrir, Dr. Nintendo. Ah, effectivement, avec moi, là, T-Rex, d'après la résultante de ce que tu viens de voir, ton colis n'arrivera jamais à domicile. Ah, merde, j'ai fait non. Oh, mais qu'est couillon. J'ai fait non. Fallait que je mette rejouer la mission. Ah putain, faut que je retourne là-bas en plus. Ah mais qu'est couillon. Putain, fais chier. Ah oui, tu peux taper les habitants, regardez. Donnez l'alerte. Tiens, prends ça dans ta gueule. Tiens, prends ça dans ta gueule. Toi aussi. Tiens, toi aussi. Moi, je distribue des pains. Bon, je suis un peu perdu, là. Bon, ben ça sera pas un first try, effectivement. Donc, Wham, tu résistes à deux barrages de munitions, mais tu perds ta voiture sur un gars random qui roulait. C'est tout à fait moi, ça, Dr. Nintendo. Putain, faut que je retourne. Y a pas un... Oh là là, faut que je me retape tout le chemin, un retour. Tout ça parce que j'ai pas mis oui. Ah, fais chier. Vous avez autorisation de tirer et de tuer. Il a dit... Oh putain. Après, la physique est bonne. Franchement, si je me tape des murs, c'est à cause de moi, tout simplement. La conduite est vraiment excellente. Je sais pas si vous en rendez compte visuellement, mais ça tourne très bien. C'est bon.
Retourne au village, là. Et là, il y a moins de mobs. Oh putain, je suis passé par-dessus. Ben, du coup, faut pas que je me trompe tout à l'heure, faut que je mette... L'ambiance a un peu changé quand même. Hein. Ah oui, oui, clairement. Clairement. Là, on est... On est sur un Star Wars là. Hein. Bon. Du coup, on recommence la mission. Désolé pour ce petit désagrément. On devrait y arriver. Ce serait mieux par là, en fait. Recherche les suspects. Oui, 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 vous recherchez les suspects. Vous ne l'avez pas vu. Allez, c'est parti. Bon, là, le barrage, on va faire attention. On va foncer direct. En fait, si tu fonces, ils n'arrivent pas à te toucher, hein. J'ai l'impression qu'il y a moins de difficultés au sol aussi. Il y a moins de difficultés quand tu conduis au sol, quand on essaye de te tirer dessus. Le suspect va très vite, effectivement. Ah, c'était à droite. Ici. C'est ici où je suis mort. Parfait. Alors j'ai hâte de voir Crew là, hein, si j'y arrive. Ouais, c'est par là. Putain, mais j'hallucine. Hein. Oh, j'hallucine. On esquive à droite, à gauche. À droite. Ah oui, c'est une sorte de barre, j'ai l'impression. Magnifique. C'est un second try. Observe ma finesse et mon style. N'oublie pas de lui parler. Mais oui, t'inquiète, tout va bien. Hé, grand dur. Bon, c'est quoi cette tronche? On en a vu, vous savez, mais votre cargaison est en sécurité. Tant mieux. Parce qu'une cargaison de minerais d'écho est plus précieuse que 10 de vos vies. Et bien sûr, je serai obligé de ralentir ma collection. Les souterrains ne savent plus vers qui se tourner de nos jours. Et qu'est-ce qu'on a là? La mascotte du sphinx, du mois? Doudou. Sig, cette fourrure irait bien avec mon ensemble en soi, non? Écoutez, Comic Man, on voit tout de suite que vous et moi, on a le même jus dans les veines. On est des joueurs, pas vrai? On veut tous les deux être dans le coup, hein? Je pense qu'on peut s'entendre, non? On vous a rendu service, maintenant c'est votre tour. Pourquoi le baron donne de l'écho aux Metalheads? La curiosité pourrait vous être fatale, vous savez. Sig, donne un bonus au capitaine ici présent et à son ami. Vous voulez voir les performances de ce petit bijou? Tentez le parcours de tir. Si vous maniez bien cet engin, je vous confie une ou deux missions. Elle me dit quelque chose, la voix de Crew, là. Pulvérisateur acquis. Ça fait plaisir. Un petit pulvérisateur. Alors, je peux parler à qui? Ah, c'est pour parler à lui. Putain, miroir, les gars. Retracing. À l'époque, déjà. Laisse-moi faire, Jack. Observe ma finesse et mon style. N'oublie pas de lui parler. Mais oui, t'inquiète. C'est exactement la même cinématique, en fait. Patrouille donc, du secteur 9. J'ai le pulvérisateur. Comment je l'utilise? Voyons voir un petit peu là les masques, s'il n'y a pas un petit easter egg. Attention, je suis à pied. Déjà ce mob là, ce serait pas un...
Est-ce qu'il y aurait un petit easter egg de Crash Bandicoot? Si je me souviens bien, il y avait un easter egg de Crash Bandicoot dans le premier. Une espèce de plante piranha, là. Bon, il est où le parcours de tir? Ah oui! Et je dois buter qui? Ok, j'ai fait la transformation monstre. J'ai pas fait exprès. J'ai fait la transformation monstre là. Sans faire exprès. Comment je fais pour tirer? Ah, c'est comme ça? 46? Ça, c'est des munitions? Oui, c'est des munitions. Alors, comment je fais? Non, je peux pas shooter comme ça. D'accord, il y a un impact. Ok, ça va être compliqué. Hein. Tu nous fais une petite pole dance, Wham? Ah, il faut que je relance la mission. J'ai l'impression qu'il faut que je relance la mission, là. Qu'est-ce que ça me dit, là? Gagne le parcours de tir avec du pulvérisateur. Je prends note, très bien. Il y a un stand de tir et toi, tu tires sur tout et n'importe quoi? Effectivement, il avait parlé d'un stand de tir. Ah, le stand de tir, il est à l'extérieur. C'était la... C'était le point vert sur la map. Effectivement. Une sorte de cible, oui. Merci, Docteur Nintendo. C'est tout moi, ça, les gars. Vous le savez. C'est ça, la... La monoplace. Est-ce que c'est ça, la monoplace? Ça y est, j'arrive au stand de tir. Attends, tu dois d'abord apprendre à utiliser ce chouchou. D'abord, sors ton arme. Le pulvérisateur est une arme à courte portée, avec un large champ de tir. Pour faire feu, appuie sur la détente. Alors, R1. Tiens, sympa, non? Pourtant, ce n'est pas l'arme la plus rapide. Tu peux ranger ton arme ou la sortir à tout moment. Essaie de ranger ton arme. Facile, hein? D'accord. Bien. Il y a des munitions rouges dans les caisses grenagardes. Tire sur les caisses. Super, te voilà prêt. Tu veux essayer le parcours du pulvérisateur? Allez, on va faire le parcours du pulvérisateur avec grand plaisir. C'est où la porte? C'est ici. Bonne chance. Abat toutes les cibles. Plus tu tireras vite sur chaque cible et plus tu auras de points. Alors, où sont les cibles? Tire pas sur les civils. Touche une cible amicale et tu perdras des points. D'accord. Faut que je bute les civils. Je suis dans le jeu, là. Je suis dans le jeu au suivant. Faut que je bute tous les civils. Elles sont où les cibles, bordel? Coussi, coussa, essaie encore. Coussi, coussa, essaie encore. Mais attends... Ben, effectivement, j'ai fait un fail, là. Hein. Tu as chargé. Prêt? À toi. Et où sont les cibles? Attendez, là. On vit un grand moment, là. Où sont les cibles? Il m'a dit coussi coussa, c'était bidon, en fait. Non mais attendez, je le fais exprès ou quoi? Je vais revenir encore au point de départ, il va me dire coussi coussa? Allez, recommence, tu ne maîtrises encore pas bien ce matériel. Les cibles étaient derrière. Attendez, il rigole. Tu avances trop vite. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça que c'était derrière les cibles. Ah putain. Bonne chance.
D'accord. Mais qui sont les mauvais, qui sont les gentils? Attendez, on va voir les points. Non, c'était un civil. Non, c'était un civil. Ah ouais, d'accord. Eh, c'est bien fait. Ça fait map un peu. Ça fait cible en carton un peu. C'était derrière, ils m'ont dit. C'est pas mal le stand de tir, sans déconner. Je vais trop vite. Elles sont encore derrière. Ça va trop vite là. Il y en a, il en faut deux. Il y en a, il en faut qu'une. Ok. Ok. On est pas mal là. Mais non. C'est bien fait, hein. Il y a du monde là. Les cibles étaient derrière, il a vu Ronto. Mais moi je les avais pas vus, hein. C'est fou, hein. Ça, ça va vite là. Bronze. C'est pas suffisant? Vous voulez essayer de battre le record? Non, merci. Est-ce qu'on a réussi la mission? Les oranges sont les civils. Fail, 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 le chat. Tu es unique, Wam. Je me demande c'est quoi un civil? Il y a les monstres et il y a les gens. Je te laisse deviner. Attendez. Consulte crew, c'est bon. On a réussi à passer la zone au moins. Vous m'envoyez ravi. Vous m'envoyez ravi. Bon. Oui, c'est bon. Parfait. Je peux voler un véhicule. Magnifique. GTA. On a surave un véhicule. Bon, on retourne au bar, on retourne voir Crew. On a un fusil à pompe. C'est vrai que sur le premier Jak and Daxter, il n'y avait pas d'arme à feu. Il n'y avait pas d'arme à feu, les gars. Tu as été excellent, Jak. Tu as déjà pensé à te joindre aux renégats? Non, pas vraiment. Les renégats trouvent des objets pour moi. Je te renierai. Tous les objets et les armes dignes d'intérêt passent outre mes mains. Travaille pour moi et tu palperas certaines choses très appétissantes. Tu es du métal à aide? Des récompenses? Ça me dit bien. Doudou, Jak et le gros lard! Vous deux, vous allez vous débrouiller sans moi cette fois. Parce qu'il est hors de question que j'aille de nouveau affronter les Metalheads. Zig va vous mettre au parfum. Alors, vous voulez être des renégats, hein, les bleus? On verra de quel bois vous vous chauffez une fois sur le terrain. Crew veut de nouveaux trophées pour refaire la déco du Hip-Hog. Alors je vais lui ramener la tête de 5 Metalheads de la station de pompage. Fais pas dans ta fourrure, Lastico, parce qu'on marche au pacificateur. Waouh! J'en veux un comme ça! Vous l'avez vu où? Quelque part. Sig a besoin que quelqu'un assure ses arrières pendant qu'il pistera les Metalheads. Hein? Il est dégueulasse. Retrouvez-moi à la station de pompage. Les filles, vous n'avez pas intérêt à me poser un lapin. C'est pour pisser le tuyau qu'il a devant. J'en suis sûr, c'est pour pisser le tuyau. Qu'il a devant la tronche, entre à l'entrejambe.
Regardez-moi ça. Attendez, il est ignoble. Il s'admire. Et regardez-moi le tableau, là. C'est Catwoman. C'était hyper sexy, quand même, pour l'époque. Le fameux pacificateur. Ah, franchement, le tu serais mon fils, je te réunirais, je pense. J'avoue que là, Dr. Nintendo, tu m'as tué. Bon, go, la station d'épuration. Je vais essayer de voler un véhicule, par contre. Hein. Voilà. La zone est sécurisée. N'empêche, vu les fails, j'aimerais bien te voir sur 007 Nightfire. Le pire, c'est que je l'ai, hein. Je l'ai sur GameCube. De toute façon, ça, vous le verrez sur la vidéo. Hein. Vous le verrez sur la vidéo combien coûte ma collection. Enfin, sur le live, combien coûte ma collection. Vous pourrez même voir les jeux que j'ai et dont je ne vous ai jamais parlé. Et Nightfire en fait partie, effectivement. Et je n'y ai jamais joué. Je l'ai, mais je n'y ai jamais joué. Je crois que je l'avais acheté dans un pack de 6 jeux sur eBay. Il n'y en avait qu'un seul qui m'intéressait. Et du coup, il en faisait partie. Le mec qui vendait, je crois que c'était pour avoir... C'était pour avoir quel jeu ? C'était pour avoir un jeu bien précis que je voulais. Mais malheureusement, j'ai dû en acheter 5 autres. Ah, mais Crew, c'est un sacré personnage. Tu as vu, je suis devenu doué sur les insultes sans injure. Effectivement. Mais c'est excellent. Tu t'améliores, Doc. Ah, j'avoue que là, il y a une progression fulgurante. Hein. Et c'est des punchlines qui sont censées travailler, étudier, réfléchir. Et en plus, tu ne commets pas d'injure. Et ça, c'est beau. Tu serais mon fils, je te renierai. Alors celle-là... c'est pas par là. Putain, c'est par là. On va s'en sortir ou pas, là? Oui, c'est bon, c'est là, la sortie. Quand j'en bute des gens, je vous le dis. Hein. C'est quoi ce point, là? Ah, c'est des véhicules, les points gris. D'accord, ok. C'est des véhicules. Mais franchement, ça va, parce que... T'as toujours un point de repère qui te dit où tu dois aller et tout. C'est vraiment pas mal. Hein. Vous avez vu, je préfère tuer les gens au sol que de me taper des véhicules en l'air qui peuvent me dévier la trajectoire. Honteux. Il y a moyen de passer dans les textures et passer derrière les immeubles, mais je sais plus exactement. Écoute, on verra bien. Alors attendez, faut retourner donc à la station d'épuration pour buter des Metalheads. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Putain, non, mais franchement, pour l'époque, on est clairement sur un monde ouvert. Hein. On n'est pas sur une map. On n'est pas sur une map aussi grande que celle de GTA. Est-ce qu'on peut passer par là? Oui, on peut passer. Mais franchement, c'est hyper. C'est énormissime. Énormissime. N'hésite pas à choper des véhicules, des gardes, ils ont des flingues intégrées. Ah, mais ça, c'est des infos qu'il faut me dire, Docteur Nintendo, tout de même. Vous quittez la zone de sécurité. Vous quittez la zone de sécurité, j'ai reconnu la voix de la fille qui est avec nous d'habitude. Bon, on a le pacificateur. Salut les filles, prêts à chasser du Metalhead? Collez-moi aux baskets et couvrez mes arrières.
On va se marrer. On va se marrer. C'est parti. On va buter du mob, les gars. Ça va se gâcher. Putain, mais faut lui en donner des coups à lui. Hein. Tiens, prends-toi ça dans la tronche. Suis-moi. Bon, il m'en faut 25 des orbes comme celle-ci. Hein. 25. Bouge de là, je n'ai pas que ça à faire. Reste là, je vais rétamer cette citerne. Je vais rétamer cette citerne. Attendez, regardez-moi ça. Putain, Michael Bay est de retour. Dexter au milieu. Il a rien compris à ce qui s'est passé. Bon, effectivement, c'est un putain de raccourci qu'il nous a offert, là. Bon, il faut quand même pas mal de coups. Hein. Achève-moi ces sorties. Non, il est tombé, putain. Ah non. Super, elle est remontée, l'orbe. Ah, ça, c'est bien fait, ça. Putain, j'avais pas vu. Je t'ai manqué. Vite, abaisse le pont. Comment j'abaisse le pont, là? Comment j'abaisse le pont? Faut que je descende? Y'a une manivelle en bas, c'est ça? Y'a pas d'interrupteur ici? Bon, je vais descendre. Je prends le risque de descendre. D'accord, c'était bien ça. Oh, y'en a du monde là. Oh! Échec de la mission? Il est mort? Le pacificateur meilleure arme. Oh putain, je dois recommencer du début. Il faut recommencer, les gars. Vous devez plus avoir de vie, je pense. Effectivement, quand ça shoot, c'est différent. Et quand ils disent que le jeu est plus mature, c'est clairement que tu taquines du fusil à pompe. Hein. C'est pour ça. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Bouge de là, je n'ai pas que ça à faire. Putain, il a pris des dégâts. Reste hein. Là, je vais rétamer. Attendez, je veux revoir Jack. Je veux revoir Daxter. Je veux revoir Daxter, là. Ah oui, d'accord. Il est impressionné par les morceaux de métaux qui lui tombent autour de lui. Bon, je vais pas perdre de temps cette fois. On va y aller direct. Il y a des munitions et tout de même. C'est pas une mission pour vous, c'est fini. Mais c'est quoi le problème là, putain? C'est quoi le problème? C'est parti. Mais sans déconner. Ça va se gâter. Suis-moi. Viens par ici, ne t'éloigne pas. Mais pourquoi tu vas là-bas? Mais parce que je croyais que l'interrupteur il était en bas. Reste abaisse là, le pont pour lui. Par ici. J'abaisse le pont, mais j'ai pas vu d'interrupteur. Et j'étais attiré en fait par les Metal Head en bas. Super, mais ne t'emballe pas trop vite. Ne t'éloigne pas ou on est mort. Ah, faut juste monter dessus avec le poids. D'accord. Je t'ai manqué. Ouais, je t'ai manqué. Ok, j'ai compris les gars. Notre première cible, retiens les autres pendant que je charge le pacificateur. Ok, d'accord, il doit recharger le pacificateur. T'inquiète pas. T'inquiète pas, j'envoie du lourd. Oh putain, le truc. Pas mal. Ce métal raide est cuit et bien cuit.
ce Metal Egg. D'accord, maintenant on peut descendre en fait. Ils sont en train de prendre cher. Avec le Metalhead, tu tires d'abord et tu discutes après. Avec le Metalhead. Voilà un autre qui nous narque en plus. Avec le Metalhead, tu discutes d'abord. Couvre-moi. Non, tu tires d'abord et tu discutes après. Ah putain. Faut le couvrir, d'accord, j'avais pas vu. Comme Wham, comme d'habitude, Wham brûle les étapes, effectivement. Bon après, je l'écoute pas trop, je parle en même temps. Et boum, un peu compliqué. Moins, un. Allez, si ça c'est suivant. Fait. Ah, j'ai plus de munitions, putain. Si, ça y est, j'en ai. J'en ai que 10, c'est pas énorme, hein. Je les tiens éloignés. Alors, faut encore baisser le pont. Saute pour attraper le pont et le baisser. Oui, c'est bon, j'ai compris. Le truc, je le fais une fois. Une fois, j'ai compris. Où on est mort. Super, on fêtera ça plus tard. Attends, faut que je récupère le item là. Il m'en reste 5. Ouais, ça va, on est presque full vie. Ouvre mes arrières, je vais le dégommer. Je vais le dégommer. Je vais le dégommer, il a dit. Il est où là? Faut que je couvre ses arrières. Au fusil à pompe. Tout vaut la guerre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un jeu de tir, n'empêche. Tout vaut la guerre, tout vaut la guerre. Ça, c'est ce que j'appelle en mettre plein la vue. Ah. Naughty Dog, ils respectent leurs joueurs. Ils respectent leurs joueurs, Naughty Dog. Liquide les pots de colle. Liquide les pots de colle. C'est bien parce que, bon, en fait... Je vais devoir la jouer fine cette fois. Attendez, j'ai des trucs à récupérer là. Putain, il a presque plus de vie là. Je vais devoir recommencer la mission de zéro après s'il meurt. Hein. Putain, j'ai plus de vie. J'ai plus de munitions. Oh putain. Oh putain. Oh putain, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, les gars. C'est bon, c'est passé. Minus 5 pour info. On finit cette mission. Un Metalhead de flambé. Un bon Metalhead est un Metalhead mort. Attention, on a de la compagnie. Putain, je m'éloigne de lui, il est où? Il est où ce con? Il est là-bas. Oh putain, non. Non. Ah, mon arme est bloquée. Quoi de jouer? Mon arme est bloquée. Oh putain. Vite. Vas-y, je répare mon arme. Répare ton arme, du con. Il a plus de vie. Je suis dans la merde. Bon, le pacificateur est de retour. On bouge. Le pacifique est de retour. Le pacificateur est de retour. Ça me fait plaisir. Par contre, il a plus de vie, là. On va tout recommencer, merci les gars. J'ai eu chaud aux fesses. Dernière cible et on se rentre. Dernière cible. Oh, putain. C'est maintenant ou jamais. Il a plus de vie. Je suis dans la merde. Hein. Je suis dans la merde, les gars. C'est bon, c'est passé. Oui, je peux utiliser le R2. Équipe locale 5, Metalhead 0. C'était le dernier. Dites à Crew qu'on les a tous rétamés. Je lustre le pacificateur et ramasse les trophées. Pas mal pour une première. On est pas mal, les gars.
trophée garde du corps, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je retourne voir Crew, c'est ça? Rendre visite à l'oracle, et c'est sur le chemin. C'est clairement fait exprès, en fait. Hein. C'est ici que tu récoltais les orbes de Metal Crew. Et c'est sur le chemin. Du coup, on va aller voir l'oracle et on va consulter Crew. Parce que j'ai envie qu'on le revoie. Et je pense qu'après, on s'arrêtera là. Oh putain, mais pourquoi j'ai appuyé sur le bouton? Fais chier. Bon, par où je sors, là? Putain, j'ai usé le... Des Metal Crew... Non, pardon, le Crew. Le Crew, on va aller voir Crew tout court. Le Metal Head, je voulais dire, Dr. Littled. Bon, mais on se débrouille pas mal quand même pour le moment, non? Ou alors ce n'est qu'une illusion? Faut passer par là, c'est ça? J'arrive où là? Sur la map, je suis où là? Je suis où? C'est le début du jeu, Wam, t'emballe pas. Arrête, tu me fais peur. 18 heures de jeu pour le terminer, je crois. Ah, c'était là où il y avait la vanne. Oh putain, tu traverses le tuyau. Bug, les gars. Bug. 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 C'est pas bien, monsieur Naughty Dog. Toi qui as fait The Last of Us et Uncharted, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien du tout. Bon, par où je passe là pour me casser d'ici là? Oh, là-haut, il y a plein de caisses, on va aller voir ça de suite. C'est pas un bug, c'est toujours comme ça malheureusement. Voyons voir un peu ces caisses là. C'est quoi ces espèces de capsules jaunes là? C'était quoi cette lumière verte dans le ciel là? J'ai vu une lumière verte. Ça chauffe, Marcel. Le chemin pour entrer était en bas. Vous avez vu cette lumière verte là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la lune? Mais dis donc. Elle était cachée par les nuages. C'est quoi ce truc là? C'est quoi cet item là? C'est clairement un truc spécial ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu sais ce que c'est, Dr. Nintendo? Alors, tu m'as dit que le chemin pour entrer, c'était en bas. Wam, arrête de te disperser! Attendez, on va faire une glissade. Quoi? C'est une zone sans vue, défense activée. Suspect détruit. Ah ouais, carrément, suspect détruit.
Attendez, non mais attendez, je suis un peu perdu là. C'est ici le chemin pour rentrer ? Je suis un peu paumé là. C'est une zone surveillée, défense activée. Je suis autorisé à utiliser de la force. Entrée neutralisée. Merci bien. Par contre, j'ai reconnu la voix. C'est par où ? Où il y a la vanne, tu pouvais descendre. Ah oui, mais pourquoi je descends pas ici carrément ? J'aime bien ce fusil à pompe. Ah ouais, d'accord. Ils sont sérieux là. Bon allez, je me casse. Putain. Oh putain. Ça fait chier. C'est par là, je crois. Ben, je veux juste en savoir un petit peu plus sur l'histoire, parce que... Tu vas préférer l'arme suivante, je pense. Écoute, je pense que c'est... C'est déjà pas mal, ça. Bon, je vais essayer de passer en force, là. C'est par là tout à l'heure, hein. Putain, les amphoros. On défonçait, hein. C'est vraiment parce que j'ai pris... Je suis bien rentré dans l'histoire, franchement. Pour le moment, et l'histoire pour moi, elle a même pas encore débuté. Mais on te fait découvrir les nouveaux personnages de ce jeu. Oh putain, on va se casser d'ici. Casser d'ici. Voilà. Au moins, c'est réglé. On va pouvoir aller voir l'autre tranquillement. Donc, l'orbe écrou et on s'arrête. Vous rentrez dans la ville. Un petit vaisseau, s'il vous plaît. Donc, l'orbe, qu'est-ce qu'elle va me donner ? Elle m'a dit qu'elle allait m'apprendre à maîtriser une énergie. Allons-y de suite. Alors, j'ai les 25, hein, normalement. Ouais, 28. Vous avez réussi à débarrasser le monde de ce fléau. En récompense, je vous offre une énergie noire. Dark Bomb, appuie sur croix pour sauter et appuie sur carré. D'accord, ok. C'est bon, j'ai compris. Il me faut d'autres gemmes crâniennes. D'accord, il m'apprendra un nouveau pouvoir pour 200 gemmes. D'accord. Attention, je suis à pied. Est-ce qu'il y a encore mon véhicule ? Non, il n'y est plus. Je vais essayer d'en trouver un autre. Je dirais la bombe noire. Attendez. Parce que les véhicules, ils sont surtout en hauteur, en fait. Voilà. C'est très bien. Ah, je peux tirer ? Je peux tirer en roulant, d'accord. Je savais pas, je peux tirer au fusil à pompe. Bon, allez.
On file voir Crew un peu pour savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Prochain épisode certainement demain, mais on va se teaser sur ce qu'on va devoir faire demain. C'est parfait. Donc prochain jeu en live, c'est pas un secret, hein, ça sera Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc là, il n'y aura pas d'indice, on l'avait dit en live, que ça serait ce jeu. Et j'ai hâte de le refaire 2014-2021, 7 ans plus tard. Je vois pas, il est où le chemin là? Putain, c'est par où? Mais cassez-vous, putain, vous me cassez les couilles. Mais barrez-vous, putain. Putain, mais où je vais là? Je vais réussir à mourir avec un... Oh putain, sans déconner. Du coup, ouais, bah, non, très satisfait. Hein. J'avais déjà beaucoup aimé le premier épisode, hein, de toute façon. Après Valhalla, je suppose, tu vas pas faire deux AC en même temps. Après, ça me dérange pas de faire deux AC en même temps. Après, c'est un Whammer qui l'a demandé, donc... priorité Whammer, ou alors après, je peux mettre en pause Assassin's Creed Valhalla. Hein. Après tout, Odyssey, on l'a fait vraiment sur 3 ans, je crois. Odyssey, on est resté 3 ans dessus, presque. Hein. Donc, à voir. Après, il se finit très très rapidement, hein. Assassin's Creed Black Flag, 18h. Hein. 18h de jeu, hein. C'est pas comme les 100 heures sur 120 heures Odyssey, et à peu près... 70 heures, je pense. 70 heures, il faudra pour le finir. Assassin's Creed Valhalla. Sans les DLC. Bonsoir, merci d'être en live. Tu me permets d'éclairer mon chemin avec la lumière du téléphone, comme tous les lampadaires sont éteints. Alors attends. On va essayer de te mettre... Profites-en parce que là on est de jour sur la map, chef Puma. Profites-en bien. Parce que dès qu'il fait nuit, t'auras moins de lumière. Hein. Parce qu'il y a un cycle jour-nuit. Alors attendez. Voilà. Crew est ici. Putain, j'ai envie de continuer, c'est un truc de fou. Hein. J'ai envie de t'arrêter. Et minuit 19, là, c'est un peu tard. Vous commencez à nous être très utiles. J'ai une autre mission pour vous. J'utilisais les égouts pour la contrebande, avant que le baron installe ses dispositifs de sécurité. Et avant que vos petits excès alimentaires ne vous empêchent de passer la porte. Je parie que votre petit cerveau boulimique a manigancé un autre plan génial. Alors, qui doit-on éliminer, ou que doit-on détruire, ou faire exploser? Eh bien... j'ai besoin que quelqu'un descende dans les égouts pour y détruire tous les gyro-shooters qui s'y trouvent. Et je vous donnerai de quoi améliorer votre arme si vous y arrivez. Laissez-moi deviner. De l'eau froide et opaque?
Des puanteurs encore plus immondes que votre haleine après avoir avalé des huîtres. Des métalheads plus nombreux que les mouches autour de votre assiette. Et bien sûr, des armes plus corrosives qu'un de vos slips super moulants. Un jour de chaleur torride. Écoutez, espèce de glouton, pourquoi vous n'iriez pas vous-même dans les égouts au lieu de l'éviter ici inutilement? On ne fera rien tant que vous ne nous aurez pas dit pourquoi les Metalheads trafiquent avec le Baron. J'aurais dû me faire briser les rotules. Tout ce que je sais, c'est que le Baron a conclu un marché désespéré avec le chef des Metalheads. Les Metalheads ont besoin d'écho et le Baron leur en donne. En échange, les Metalheads n'attaquent la ville que dans les limites du règlement que le Baron a instauré. Ouais, mais pour combien de temps encore? En fait, le Baron va bientôt être à court d'écho. Et les Metalheads vont être à court de patience. Le Baron Praxis a besoin de cette guerre pour rester au pouvoir. Où la ville réclamerait le retour du véritable dirigeant. Où que se trouve ce sale mioche? Baxter et moi, on va se charger des égouts. Mais on n'a pas oublié qu'en échange, vous nous avez promis de quoi améliorer notre arme. Petite sangsue. De 1, la narration est vraiment bien travaillée. De 2, le fameux niveau des égouts, les gars. Le fameux niveau des égouts, il est là. Comme dans tous les jeux, il est là, le niveau des égouts. Non, franchement, je prends grand plaisir. Cette musique aussi, je l'aime énormément. Ici, l'unité Alpha, on est en route. Non, franchement, valeur sûre, hein. Naughty Dog, ils ont très bien commencé. Alors, c'est quoi leur premier jeu à Naughty Dog? C'est vraiment Crash Bandicoot ou ils en ont fait d'autres avant? Parce que s'ils en ont fait d'autres avant, j'aimerais bien les faire. De deux, j'aimerais bien savoir quand est-ce que Sony a racheté Naughty Dog. Anto, il est peut-être au courant. Quand est-ce que Naughty Dog a été racheté par Sony? En quelle année? J'aimerais bien savoir, franchement. On passe au secteur suivant. Est-ce que quelqu'un est au courant dans le chat? Là, je vais essayer de voir. Attention, description des suspects. Société Naughty Dog. Société américaine de développement de jeux vidéo domiciliée à Santa Monica, fondée en 1984. En 84 par Andy Gavin et Jason Rubin sous le nom de Jam Software, avant d'être rebaptisé Naughty Dog en 89. Depuis 2001, l'entreprise est une filiale de Sony Interactive Entertainment, donc ils les ont rachetés en 2001. Donc pour ce Jack, pour Jack and Dexter, ça appartenait déjà à Sony. Mais pour Crash Bandicoot, ça n'appartenait pas à Sony. Le fabricant de la gamme PlayStation Naughty Dog est connu pour avoir développé les séries à succès Crash Bandicoot, Jack and Daxter, Uncharted et The Last of Us, totalisant 40 millions de jeux vendus en 2009. En 2009, 40 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont à peut-être 60 millions certainement. Jam Software est fondé en 1984. Oui, très bien. Naughty Dog connaît un nouveau départ en 1994 après un accord passé avec Universal Interactive pour 3 jeux. Ah, c'était Universal Interactive en 1994. La compagnie s'installe en Californie et prend une nouvelle dimension en recrutant du personnel qualifié. Pendant 2 années, le studio développe son premier jeu en 3D. Apporte sa contribution à l'élaboration du projet et demeure pour la suite un proche collaborateur studio.
Le jeu de plateforme Crash Bandicoot voit le jour en 96. C'était Universal Interactive du coup. En 2001 le rachat, oui. 2001 Anto, c'est ça. Ben c'est ma troisième en une semaine. Il fait que vous faites des raclettes, chef Puma. La troisième en une semaine. Il faudrait que je me vire du Top Hour. Donc en fait, premier chef Puma pour le Top Hour, deuxième Docteur Nintendo. C'est très très proche entre Docteur Nintendo et chef Puma pour le Top Hour. Anto 40h, Yoshi 24h, Big Mat 19h, T41 16h, Joint 4 16h, Le Diable des Whammer 13h et Wizbot 11h42. Bien. Faut que je me vire. Et le problème, c'est que si je me vire sur le Top Hour, ben, je vais perdre tous mes points. Et je m'en fous, je vais me virer et je vais me rajouter mes points. Je vais faire ça. D'ailleurs, attendez, on va vérifier tout de suite. Je vais le faire en direct. Bien sûr, on poursuit les recherches. Je vais me virer mes points. Ouais, je... Bien reçu, on continue les recherches. Bien reçu, on va continuer les recherches. On n'est pas censé les entendre. Je vois qu'il y a... Ouais, ah, mais elle est là, la barre de pole dance que tout à l'heure, il m'a dit... Tout à l'heure, il m'a dit, Docteur Nintendo, tu me fais une pole dance. On peut pas rentrer à l'intérieur, dommage. Elle est là. Elle est ici, la barre de pole dance. Putain, la tronche qu'il a, lui, sans déconner. Alors... Jeu de Wham, j'ai combien de points? Jeu de Wham sur Twitch, j'ai 8000 points. Ben, je vais supprimer. Je vais me supprimer et je me rajouterai 8000 points quand ça sera possible. Et donc, si je me suis supprimé, normalement, le Top Hour, je n'y suis plus. On va voir ça en direct. Effectivement, Docteur Nintendo, premier qui... Ah non, merde, j'ai fait le top. C'est le Top Hour que je dois faire. Top Hour, chef Puma premier, c'est bon. Il faudrait que je vire Wizbot aussi, hein. Wizbot et Streamlabs, faut que je les vire, hein. Dans des Wizbot. Comme ça, on va voir qui est 8ème et 10ème. 8ème, 9ème, 10ème. Wizbot, je supprime. Et l'autre, c'est qui? C'est Streamlabs. Faut que je vire Streamlabs aussi. Streamlabs. Streamlabs, 2000 points, on supprime. Et du coup, si je fais un Top Hour... Supprime Wizbot et Streamlabs, du coup, oui, c'est ça. Et on va voir en direct maintenant le Top Hour. Cette foule est interdite. 9ème, Discord for Streamers. Et Rogue Girl, 10ème. C'est fou parce qu'il y a des gens qui viennent et qui regardent le chat. Patrouille du secteur 9. Alors, Discord for Streamers, je sais pas si c'est pas un bot ça, mais Rogue Girl, ça sent pas le bot. Donc Rogue Girls, elle est venue 9h42 sur le live, elle a jamais lâché un message. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attention, je suis à pied. Bon, on a mis à jour à peu près le Top Hours. Putain, j'ai envie de continuer, hein, c'est fou. Hein. Mais on va pas trop en faire non plus. On va pas trop en faire. On va faire la suite demain. Demain soir. On va faire la suite demain soir. 21h30. Merci beaucoup, Chef Puma, d'être passé. Merci beaucoup, Docteur Nintendo, Anto, bien sûr. Un grand merci à Toptof. Un grand merci à tous ceux qui sont passés lors de ce live. Je vous donne rendez-vous demain soir pour la suite de nos aventures avec un générique. Parce que j'ai pas eu le temps de le créer, le générique.
mais j'en ai profité pour mettre l'intro du jeu dès le début de live en guise de générique. Mais demain, je crée un générique. Un grand merci à vous. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture et à jamais dans le tramway. Et Walibi, bien sûr, pardon. Au revoir à Walibi et merci d'avoir été présent, Walibi. À demain, si vous le voulez bien. Et un grand merci à vous, bien entendu. Je vous remercierai jamais assez.